Je déclare de ce pas ouvert la quinzaine touristique. Le ton est lancé, la caravane peut démarrer. Pendant 15 jours durant, la Côte d'Ivoire sera sous le feu des projecteurs. Danses et cultures seront mêlées à des activités de découverte. Les grandes villes du pays seront mises au diapason pour célébrer la richesse du tourisme ivoirien. La quinzaine touristique, activité annuelle, pérenne, ambitionne de mettre en valeur le potentiel touristique local fondé sur la stratégie gouvernementale Sublime Côte d'Ivoire. Cette quinzaine cible les résidents ainsi que les non-résidents à la consommation touristique pour une croissance et un développement durable, solidaire et inclusif, capable de développer un nouveau paradigme qui catalysera, à n'en point douter, la croissance face à une crise économique mondiale sans précédent. La quinzaine du tourisme a une connotation assez particulière cette année. C'est en Côte d'Ivoire que va être célébrée la 41e journée mondiale du tourisme. Une opportunité pour ce pays d'Afrique de l'Ouest qui a beaucoup de matière à revendre en termes de culture. Cette année 2021, le thème qui a été retenu, c'est le tourisme pour une croissance inclusive. La Côte d'Ivoire, revenue dans le concert des nations depuis la session à la magistrature suprême de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, se doit de présenter le rayonnement de son dynamisme économique au monde qui a su résister au choc de la pandémie à coronavirus et développer une résilience dans les différents secteurs d'activité, dont les secteurs du tourisme et des loisirs en sont une illustration parfaite. La quinzaine touristique va se dérouler dans 25 villes ivoiriennes au total. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale Sublime Côte d'Ivoire, dont l'ambition est pour l'État de Côte d'Ivoire de développer et promouvoir l'ensemble de son potentiel touristique.